professeur Paulo Pinheiro, président de la commission d'investigation. La commission a des raisons de croire que, pendant la période observée dans le rapport, les forces gouvernementales et les Chabiyas ont commis des crimes de guerre, ont violé les droits de l'homme et perpétré des crimes internationaux. Le gouvernement a refusé l'accès au pays à notre commission et continue d'entraver nos enquêtes. En ce qui concerne les violations commises par les groupes d'opposition au gouvernement, il y a des raisons de croire que des crimes de guerre, y compris des meurtres, des exécutions extrajudiciaires et des tortures ont été perpétrés par ces groupes. Un règlement politique est impératif, car il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Le conflit dure depuis 18 mois, avec une confrontation de multiples acteurs internes et externes, et semble se poursuivre jusqu'à l'épuisement d'un camp ou de l'autre.